Salut les mecs, c'est Lo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Les amis, aujourd'hui vidéo avec une moto de ouf, ma moto de rêve que je n'ai jamais eu. Et ce petit tricheur l'a eu. Bienvenue Maxime, enchanté, félicitations, nouvelle moto. Bonjour. Il fait mal à la main lui, c'est à force de serrer aux clients ça. Les amis, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre 5000 pouces bleus. Maxime n'est pas au courant, mais à 5000 pouces bleus, je prends sa moto sur le terrain et je la tords. Ça va Maxime? Ouais, nickel. Allez super, 5000 pouces bleus les amis. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, Léo-du-bas-bégel, et sur celui de Maxime, c'est maxime.dr, non? RR Max. Ah oui, comme l'Air Max, elle est pas mal celle-là. N'hésitez pas à vous abonner les amis, on est bientôt 200 000 sur la chaîne. Et aujourd'hui on se trouve pour sa nouvelle moto. Vous savez, le palmarès de Maxime. Alors tu as eu un scooter, un Spirit vert, une Derby noire. Et là tu passes sur le upgrade. Il a glow up niveau moto là, là il a craqué le portefeuille hein. Aujourd'hui les amis, on se trouve pour présenter sa moto. Voilà, si jamais vous voulez présenter vos motos les amis et que vous êtes dans le nord de la France, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Et puis les amis, regardez Baba Banks, la nouvelle moto de Maxime les amis, Beta RR Racing 2021. Putain, et là ça envoie du steak haché frites hein. Bon les amis, ne regardez pas la ligne. Ça c'est... ça on va en reparler après hein. Donc vas-y, présente-nous le bolide de 2021, tout neuf. Alors qu'est-ce que tu peux nous raconter dessus? Déjà, est-ce que ça coûte cher? Non non non, le tarif on va le garder privé. Alors déjà les amis, il faut savoir que c'est un... si je dis pas de bêtises, un 4-225. Je pense qu'en vrai c'est grave la même. Et qu'après ils viennent juste mettre le moteur du 125. Là c'est un 50 bien sûr. Mais je pense qu'en vrai ils mettent le moteur du 50 dedans et après la vendre. Parce qu'elle est plus grande qu'une Derby, plus grande qu'une Beta basique. Ça c'était le train. Donc voilà, elle est plus grande que toutes les 50. En vrai c'est la plus grande des 50. Après je sais pas, après, les 4-225. Ouais vas-y dis-nous. Il repart un peu comme ça. Donc je pense que le 25-4 ans après. Ouais. C'est pas les deux temps. Montée en enduro. Elle va rester en enduro hein. Ouais non, pas de supermote hein, On l'avait forcé pour qu'il achète ça. Regardez les amis, c'est magnifique. Le réservoir transparent Beta. C'est tout neuf. Alors vas-y explique-nous. Alors déjà au niveau moteur, qu'est-ce que ça donne une petite Beta RR 2021 là? Qu'est-ce qu'il y a? Bah là il y a un kit 80 R sale. Kit 80 R sale. C'est quoi ça? C'est top ça, ouais. Top pair. Ouais, des V-Force top, c'est clapé. Voilà, clapé. Carabu d'origine. Carabu d'origine. T'as encore le filtre à air, ouais. Double radia, c'est vrai que ça c'est la guerre ça. D'origine double radia. Regardez, c'est pas mal hein. Donc là, tout ça pour le moteur, la transmise, c'est quoi? La pignon transmise là, tout ce bordel. Oh, là. Tu me donnes quoi, là. 13,50. Tu le savais ça, Maxime? Bah maintenant tu le sais. 13,50, ça tire court, ça tire long, ça tire quoi là? Ouais, en vrai, ça tire long, mais après, ah, long, c'est un peu. Ouais, parce qu'il n'y a pas. Oui, le pot, vas-y, parle-nous du pot, vas-y, détruis-le ce pot là. Vas-y, qu'est-ce qui se passe avec le pot? Le pot, c'est un 50-70. Ouais, ouais, moi je voulais celui-là. Mais bon, pour un 80. Ça va pas, du coup, c'est les prochains trucs à changer. Ouais, tu changes que ça, tu changes que ça, les gicleurs et t'as fini. Bah, le carbu de tête, ouais. Ouais, c'est tout au niveau moteur. Après, mettre un VTD2, comme ça, c'est. Donc Maxime est le 12e propriétaire. Elle sort de la concession. Au niveau du poste de pilotage, c'est tout simple. Mais en vrai, c'est beau comme un enduro. Hein. Petit rétro. Voilà, tout le monde là, c'est rétro, je te jure. Mousse de guidon KRM. Une fourche, elle est gigantesque. Je sais pas si comparé à une Pro Trophy, ça te dit quoi? Voilà, c'est la fourche. Bah, c'est la même marque, mais... Est-ce que c'est plus gros une Pro? Celle-là, elle est plus grosse. Bah, c'est ouais, la plus grosse. Bah ouais, bah ça c'est sûr. Parce en même déjà, temps. Elle est réglable, elle est tout. Tout est super gros. Ce qui est bien du coup, c'est que là, c'est protégé. Ouais. Donc on peut pas mettre de conneries. Ça c'est quoi? Coupe circuit? Coupe circuit, mais ouais, quand encore. Je vois, c'est quoi? Peut-être c'est un câble. Mais c'est d'origine? Ouais. Ok. Moi, il est là. Ouais. Là, c'est un appel de phare. Ouais, là, il y a un appel de phare. Ok. Ça c'est stylé. Il n'y a pas de batterie? Non. Non, voilà. Mais maintenant, ils ont. Ouais, bah ouais. Klaxon. Clignotant, compteur, il fonctionne? Ah bah ouais, là elle est neuve. Et lui c'est vitesse réelle-réelle. Vitesse réelle-réelle, et il donne même l'heure. Ouais, l'heure. Ouais, et du coup là on voit qu'elle a 2648 bornes. Donc en vrai c'est neuf hein. Regardez, kit déco d'origine. Donc quand elle sort de la concession, elle est comme ça, sans la ligne hein. C'est bien ça. Et la ligne d'origine, pourquoi il l'avait pas d'ailleurs? Bah il l'a vendu je pense. Ah ouais. Je sais pas à quoi ça ressemble du coup la ligne d'origine. Ah, c'est la même que moi, mais juste elle remonte un peu plus. Ah ouais, d'accord. Genre tu vois, moi elle est un peu plus sur l'avant. Ouais. Et là elle est plus sur le dessus. Bah, genre, ok. C'est vraiment gros hein, genre gros amortisseur, tout est gros hein. C'est un truc de ouf hein. Le brossillon je crois c'est le même que les 125. Ah ouais. Des gros disques. Est-ce qu'ils sont chauds? Est-ce qu'on peut faire cuire des merguez? Non, ça va. Mais ils sont chauds hein. Ouais bon, ils ont roulé là. Ok Maxime. C'est combien de litres là-dedans, là, dans ce magnifique réservoir transparent qui te permet de voir combien il te reste? Ouais, c'est 6 litres 5. 6 litres 5, donc je pense que c'est plus que ma Derby, non? Ouais, c'est 7 litres. Moi? 7 litres, ta Derby. 7 litres, ta Derby? Ah ouais? Oh, la selle, en vrai, elle a l'air d'être confort, hein? Ouais, en vrai, elle est confort. Bah, elle est fine, mais elle est bonne. Bon, par contre, est-ce que c'est deux places ou une place? Deux places, il n'y a pas de calcaire.
Bon, on passe à tout de suite. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ok, donc là, avec un plein, combien de kilomètres? Les questions basiques de la consommation de cette magnifique bêta. C'est le petit G, ça arrive de l'heure 80. Ah ouais, donc ça va en vrai. Et en fait, ça sert quand même du coup de voir combien de tresses d'essence, comme c'est transparent. C'est un truc de ouf. Ouais, il y a un truc qui arrive. C'est cool. C'est un quad, frère. Attention. Eh, c'est le même casque que moi. Ouais. Mais non. Vas-y, bombarde, Jackie. Bombarde. Donc les amis, Maxime l'a acheté sur le bon coin. Full origine. Les clignotants, ils ont fait un effort comparé à Derby. En vrai, ils sont beaux, hein. Ils passent crème, hein. Là, ça éclaire bien la nuit. Ouais. Pour le Enduroman. Ça éclaire jaune, c'est chiant. C'est pas encore des phares xénon, vitre teintée, bendo là. En vrai, c'est gros. Alors, qu'est-ce qu'il y a en dessous de ta selle d'ailleurs? Ah oui, attends, montre-nous ça. Ton Eman, il est sur le côté. Bah, c'est mon pire event. Ouais, l'event, c'est en bas là-bas. Il termine avec son code, lui. Ah ouais, voilà. Bon, tu peux mettre un petit peu d'outils, ouais. Très maniaque, Maxime, très maniaque. Et là, tu vois du coup toute ton essence. En transport, moi, je kiffe vraiment, c'est ma moto. Je kiffais de ouf, hein. On va se faire écraser à un moment, je crois. Ouais, vraiment, elle est incroyable. Bah ouais, aujourd'hui on est sur le spot, attends, on était obligé de la présenter, on est sur le spot. Tu nous feras un petit départ arrêté quand même, tu nous feras écouter le bruit. Niveau tarif, on est combien sur ça là? D'origine, vas-y, c'était 4250. C'est cher, hein. Ouais, bah c'est la 50 la plus chère. Ouais, gagne, il est en train de dire, ouais, si tu veux et tout, je t'achète la même moto. Vas-y, donne 3000. Ouais, gagne. Donne 3000, je la lâche. Ah ouais? Que moi tu vois c'est Mais on voit que c'est neuf hein, quand même. Ils font des progrès hein, quand même. Pour les motos là en ce moment, là ça ressemble vraiment en fait à un vrai cross hein. Bah ouais, en vrai. Enfin en vrai, quand tu te mets à côté, là c'est la taille d'un 125 YZ non? Ou c'est quand même plus grand? Un peu plus petit quand même. Un peu plus petit ouais. Entre le 85 et le 125. Oh, bon embrayage ça va. C'est genre un 150 CRF la taille. C'est la première de sa vie. Ça va, ouais, c'est neuf. Première fois qu'il y a une moto autant neuve. Hop. Bon, sympa. La VMAX, Maxime, balance les chiffres que t'aimes pas trop là en ce moment. 97. 97, en 80, il va se faire insulter là encore. Ouais, mais bon. Ouais, c'est le pot. C'est le pot, le carbu. Et une fois que le pot au carbu sera changé, tu vas taper du combien là? Du 120. Bon, 120 dans la forêt là, ça va être incroyable. C'est lourd? Oui, non, par rapport à la Derby, c'est léger. Attends, je vais tâter. Je vais tâter le terrain. Tâtons le terrain. Oh, c'est quand même lourd. Ouais, mais en fait, c'est léger parce que c'est bien réparti. Ouais. Et puis avec les grandes roues, ça agile. C'est ça aussi qui est bien. La petite béquille, sympa. Ça, en vrai, en enduro, du coup, c'est légal. Ça passe partout. T'as le droit d'aller partout. C'est bien. C'est super. Alors, tu nous ferais pas écouter le bruit quand même? Montre-nous. Tu démarres ça là. C'est quoi? Origine. Origine. Bah oui, heureusement que c'est origine. Vas-y, bombarde. Envoie-nous le bruit. Et après, tu nous feras un petit départ arrêté. 5 vitesses hein. Non, 6. 6. Bah oui, ça y est. C'est pas un 250. Ah. Mais il marche pas bien. Elle est froide. Ça va le bruit hein, ça fait pas trop de bruit. Hein. Ouais. Ça fait pas trop de bruit non plus. Ça. Et du coup lui il fonctionne pas. Non. Et du coup tu l'éteins là. Ouais. Voilà, sympathique. Est-ce que t'aimes bien? Tu préfères comparer à la Derby et comparer au scooter? Oh bah ouais. Tu lui mets combien là? Sur 10. Sur 10. 10 sur 10. Non, 9,5. 9,5. Qu'est-ce que tu lui reproches d'ailleurs? Déjà les points morts. Les points morts. AM6. Et après? Faut changer de barrière. Bah, le pot du coup. Les paires. Ouais, les paires. Les paires. Et en point positif? Point positif, déjà la taille. Ouais. Pour les grandes personnes. Donc t'as plus de style déjà. Ouais. Et pour les grandes personnes, ouais. Si en vrai, on dirait plus un cross quoi. Ah. Bah ouais. T'as dit quoi? C'est plus moderne. Plus moderne. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça a du style. Hein. Et puis elle est récente et tout. Hein. Regardez comme ça là, ça claque. Mais en vrai, c'est grand. Vas-y, mets-toi à côté pour nous comparer la taille. Tu veux quelle taille, Maxime? 1m83. Ouais, en vrai, ouais, c'est quand même grand. Hein. Ah, mets la droite. Ouais, vas-y, ouais, mets la droite. L'hauteur de selle, je crois, c'est 93. 93 l'hauteur de selle. Ouais, c'est quand même grand, hein, mais en vrai, ça a une vraie dégaine. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent sur leur kit déco d'origine? Ouais, bon, ça, après, vous pouvez le changer. Même si celui-là, il est beau. Hein. En vrai, ouais.
Donc t'as rien changé dessus depuis que tu l'as. Changer le pot, le carbu, et tu seras bon. Et du coup les amis, pour ceux qui voulaient savoir, on change combien de temps des pneus quand on roule sur la route? Dans combien de temps là? Ouais, vas-y, dans un an. Ah, fin d'année, ouais. Ah ouais, non, je crois qu'il perdra un petit peu de grippe vers la fin. Ouais, ça fera un pneu slick. Ça fera un pneu slick, ouais, sympa. Bon, tu nous fais un petit départ arrêté là, sur cette belle ligne droite là. Ouais. Tu fais un vrai départ, hein. Ouais, je te casse qu'à deux. Et pourquoi là c'est ProTaper? Parce que je l'ai modifié. Bah, ah, ça c'est changé aussi ça. Ça c'est pas d'origine. Non, c'est pas d'origine. L'origine c'est un truc avec le starter. Moi. Ah ouais. Tu nous fais un départ là, hein, comme ça sur la ligne. Vous, tu t'en vas à 250. Donc Vmax combien t'as dit? 90 97. 97. Vas-y, mets-toi là, en ligne, en ligne. Il y a un arbre, je vais mettre là. Vas-y, vas-y. Vas-y, bombarde, bombarde. En vrai, elle est nerveuse. C'est vraiment beau hein, comme 50. Hein. Ça a pas du tout la dégaine d'un 50. En vrai, je sais pas du coup si t'en as assez. Mais est-ce que t'en aurais assez? Du coup, je disais, est-ce qu'on en a assez en origine pour faire de l'enduro? Parce que là, il y a un kit. Mais est-ce qu'en origine, il y aura assez? Ça dépend ce que tu fais. Si tu fais des montées, non. Ah ouais? Est-ce qu'il va nous faire le petit saut? Ouais, il va nous faire le tour en revenant. La grosse bosse là. Mais en vrai, si tu te balades dans les champs. Mais là, avec ce kit là, en fait, c'est pas dangereux de faire de l'enduro? Bah, avec un kit. Bah, c'est duversal, c'est viable quand c'est bien monté. Ouais. Et c'est pas trop cher. Regardez, il arrive. Là, chef. Ouais, le petit saut. Oh là là. Faut qu'il nous fasse ce saut là. Là, nous, on va aller se mettre dans le trou, les amis. Dans le cratère. Vas-y. Vas-y, bombarde. 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 J'ai peur. T'as pas bombarde là? Ah, il s'est trompé. Ah, et puis en plus, il s'est monté par un pro, donc en vrai. Au moins, c'est bien monté. Qu'est-ce qu'il y a? Peut pas le kicker. Oh là là, il fait de l'autre sens. Oh là là, là, oh là là. Ça a craqué là. Ce soir, il va passer 5 heures à la laver. Ouais, comme d'hab. Comme au cinéma. Non mais voilà les amis, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Moi j'ai toujours kiffé ces motos, mais en vrai c'est super cher. Et en ce moment c'est de plus en plus cher les prix. Donc c'est vraiment un truc de ouf, franchement il est fort. Notez là sur 10 dans les commentaires. On va lui faire un petit retour au stand. Est-ce que... Non, il va passer là-bas, il va passer, il va bombarder. Ah si, ah si, si si, il a compris. Oh si, petit retour au stand. Petit retour au stand. Ah, pas de retour au stand. Oh là là. Et en vrai du coup, on n'a pas parlé, mais assurance là, combien il paye là? 30 euros je crois. C'est pas cher. Top, top, top. Hop, hop. L'assurance, l'assurance. C'est combien monsieur, l'assurance? Le tarif? Ouais, 30 en tiers. 30 en tiers. Tiers plus vol. Bon, 30 euros en vrai ça va. Hein. Donc un plein maintenant c'est 12 euros. 12, 10 balles pour 120 km. Pour 30 euros d'assurance et 4000 euros à l'achat. Oh là là, ça fait mal, hein. Ça fait mal tout ça. Ça va, elle te plaît? Ouais, ouais. T'es content? Tu la conseilles aux gens du coup? Ouais. Confortable et tout? Maniable? Ouais, wheeling? Ouais, ouais. Pour faire les sauts, ça va? La suspension est bonne? Ok, bon, tant mieux alors. Les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à aller vous abonner à Lucas, là, sa petite chaîne, la Lucas Track. Là, il va sortir une vidéo tous les 6 mois. Non, là, ça va. En ce moment, il bombarde. Hein. Les semaines, là, il faut. Là, ça va, il bombarde. Ouais. Au Insta de Maxime pour voir la suite de cette moto. Mais à mon avis, elle changera pas esthétiquement. Hein. Ouais, tu mettras des vidéos pas, en wheeling. Tu mettras des vidéos. Ouais. Faire les wheeling. Rodéo urbain. Non, peut-être la suite aussi. Mais... Et puis voilà. On reparlera des pertes quand il y aura à changer le pot. Et puis voilà. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. C'était Léo, Lucas et Maxime. On vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit, tout ce que vous voulez de bon et de meilleur. Ciao. Non, ciao. 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 C'est pas du tout forcé là, le ciao. Sur, le bon appétit. Allez, salut les mecs. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit, man.